Salut mon ami, si tu es ici sur cette vidéo, c'est que tu souhaites probablement savoir comment travailler à l'étranger et voyager en même temps pour justement profiter de la vie, profiter de ta vie et être libre. Dans un instant, tu vas découvrir justement un vlog que j'ai décidé de te tourner pendant une journée type de ma journée et comment je fais justement pour faire ça, pour travailler à l'étranger. Voyager en même temps en étant libre, sans avoir de patron, de chef, etc., etc. Tu vas découvrir ça au travers de ce vlog, donc reste bien jusqu'à la fin. En plus, tu vas voir, c'est super sympa, tu vas adorer. Et comme ça, je vais t'apporter vraiment des conseils pour que toi aussi, tu puisses faire la même chose. Voilà, bah écoute, inutile d'en dire plus, je te laisse regarder tranquillement ce vlog et je te souhaite une excellente journée. Yes, salut c'est Anto, bienvenue sur cette vidéo spéciale vlog. Donc tu as compris, tu vas me suivre tout au long de ma journée de web entrepreneur, de façon à ce que ça puisse t'inspirer toi aussi vraiment à passer à l'action, à te mettre en route et eh bien pour obtenir ta liberté, faire ce que tu aimes au quotidien et surtout à sortir du système. Donc laisse-moi émerger un petit instant parce qu'il est à peine 6h du mat. Je me suis levé aussitôt. Pourquoi? Parce qu'on est au Portugal et qu'au Portugal, la journée, il fait très très chaud. Le soleil tape très très fort. Donc, quand tu veux faire des tournages vidéo, eh bien, c'est bien d'y aller de bonne heure le matin. Comme ça, tu es au frais et tu es tranquille. Donc, ce qu'on va faire, on va se retrouver ensemble après, dans la suite de ce vlog. On va se retrouver dans une montagne avec un château en ruine. C'est là-bas que je vais faire mes vidéos du jour. Et puis, ce sera déjà pas mal. Et ensuite, bah, je te dis, tu me suivras tout au long de ma journée. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me rafraîchir un petit peu à la salle de bain. Je vais me prendre un café, une petite collation. Et ensuite, let's go en montagne pour le tournage vidéo. C'est parti, go! Oh, non, non, ici, c'est privé. On se retrouve après. Donc, comme tu peux me voir à l'écran actuellement, je suis avec ma perche à selfie et mon smartphone. Donc, si c'est ça, c'est pour une vidéo YouTube que je suis en train de tourner. Et bah, toi, tu peux faire pareil, juste un smartphone et tu vois, tu peux te lancer direct sur YouTube. Et là, je fais une petite story pour, comment dire, pour mon Facebook, histoire de tenir au courant un petit peu tout le monde de ma journée. Voilà. La journée est déjà bien entamée, on a bien démarré la journée puisque tu l'as vu, je t'ai emmené avec moi pour des tournages vidéo. Donc si tu veux tout savoir, eh bien les vidéos font partie de mon travail. Donc je t'en dirai un petit peu plus dans la journée parce que pour l'heure, eh bien je vais t'emmener avec moi faire du sport puisque je pratique de la musculation depuis plus de 11 ans. C'est une énorme passion pour moi. Et donc voilà. Alors habituellement, c'est vrai que je fais ça beaucoup plus tôt, mais comme j'ai intercalé les tournages vidéo à cause de la chaleur la journée, eh bien tu comprends là aussi que j'organise aussi mes journées comme je l'entends et ça fait partie d'un des grands avantages de ce que je fais. Je te dis, ne t'inquiète pas, je vais t'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Tu verras un petit peu comment toi aussi tu peux faire la même chose. Pour l'heure, bah, je vais te montrer déjà un petit peu ma panoplie sportive, comme tu le vois à l'écran là. Donc bah là, tu vois ici une petite barre protéinée pour me préparer à l'entraînement puisque j'ai pas encore pris mon petit déjeuner finalement. Donc ça va me préparer pour comment dire pour l'entraînement, sans oublier bien évidemment la bouteille d'eau important. Et puis voilà. Voilà, donc maintenant que tu as vu ma petite panoplie sportive, eh bien je te propose qu'on aille tout de suite s'entraîner parce que mine de rien, le temps tourne. Il y a une bonne journée bien active aujourd'hui, une journée comme j'aime. Donc on va y aller et par contre, juste après, eh bien on se retrouvera pour le petit déjeuner et on commencera vraiment à parler plus en profondeur de ce que je fais comme travail.
Ok, donc juste avant d'aller prendre le petit déjeuner, ce que j'ai fait, c'est que j'ai checké un petit peu les mails que j'ai. Donc ça, c'est des mails qui arrivent dans la boîte mail du support client, donc de mes programmes de formation ou des personnes que j'accompagne, ou encore des mails qui proviennent des formations que j'offre. Donc bah là, j'ai vu que ce matin, il y en a deux, j'ai commencé à répondre à un mail, là je vais faire le deuxième, et puis bah, ensuite on pourra se retrouver au petit déjeuner. À savoir que les mails, moi je les consulte 2 à 3 fois par jour. Généralement c'est plus 3 fois par jour, je vais consulter une fois le matin, généralement c'est sur les coups de 9 h. Après je vais en consulter sur les coups de 13 h par là. Et ensuite sur les coups de 16-17 h. Et après, voilà, on refait ça le lendemain. De cette façon-là, bah, je peux toujours être au plus vite pour répondre au plus vite aux clients. Voilà, donc là, je réponds au mail qu'il y a ce matin et ensuite, direction le petit déjeuner. Ok, donc là on est tranquillement dans la piscine, l'eau est super bonne. Donc ce que je voulais te parler un petit peu, c'est justement de mon parcours, puisque bah, tu l'as compris, je voyage et je peux travailler en même temps depuis n'importe où. En fait, pour être honnête avec toi, je suis issu d'un parcours tout à fait classique. J'ai fait de la livraison, tout ça avant. J'étais agent de sécurité aussi. Donc, juste pour te dire, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, eh bien, il faut que je me sorte de ça. Il faut que je me sorte de cette routine et faire autre chose de ma vie. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je me suis mis en tête et j'ai rien lâché. Donc, j'ai découvert tout ce qui est bah, les business en ligne. Donc, c'est pour ça que tu me vois faire des vidéos. Je t'ai dit, je t'en parlerai tout au long de la journée. Et justement, tout à l'heure, quand on travaillera. Quand je t'emmènerai travailler avec moi, eh bien je te parlerai un petit peu plus de tout ça et de ce que toi tu pourras mettre en place aussi bah, pour faire comme moi, si toi aussi tu as envie d'être libre et tout simplement de faire ce que tu as envie de ta vie sans qu'il y ait quelqu'un qui soit tout le temps derrière toi. Donc peut-être pour toi c'est encore inconnu, mais tu verras, je t'en dirai plus tout à l'heure. Je te dis, hein, je suis issu d'un parcours tout à fait classique. Agent de sécurité, tout ça, il n'y a pas besoin de faire des études pour ça. J'ai jamais été dans des grandes écoles. Et voilà, peut-être toi tu te dis, ouais, il a de la chance, tout ça. Non, non, la chance dans la vie, tu te la crées toi-même. C'est pas, il n'y a pas de chance. C'est ton état d'esprit, ton mindset, ton mental. Comment tu fonctionnes et comment tu vois les choses. Tu vois, si comme moi, t'en as marre et tout d'être dans ta routine, que tu te dis que c'est possible, qu'il y a des solutions, et surtout grâce à Internet aujourd'hui, et c'est ce que je fais moi, et bientôt aussi tu pourras le faire. Vraiment, il faut pas que t'en doutes. Voilà, donc comme tu le vois, là je profite bien tranquillement et il faut se ménager dans la vie. Donc je t'invite à faire la même chose, à être attentif à la suite de ce vlog. Mais voilà, vraiment pour que tout de suite tu puisses t'enlever de la tête que, il faut un parcours très spécial. Je n'ai pas fait d'école de commerce, de hautes écoles, de je sais pas quoi. Pour moi, c'est. Ça n'existe pas, j'ai jamais fait ça. Et donc voilà, tu peux te décomplexer tout de suite si toi aussi tu as un parcours très 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 classique. Voilà, bon allez, sur ce, je vais continuer un petit peu ma baignade tranquillement et ensuite, eh bien, on se retrouvera à l'intérieur. À tout à l'heure.